L'ADC adhère en tant que 13e pays membre du G20, annonce faite hier à Berlin en Allemagne. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour et surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition de 7h. Après Kinshasa, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis les caps sur la province du Congo central, partout où il est passé, à Mwanda et à Boma. Le président de la République et candidat à sa propre succession a sollicité de nombreux électeurs de lui renouveler leur confiance pour un second mandat à la tête du pays. Félix Tshisekedi a reçu les ovations des habitants du Congo central venus l'écouter. Dans la capitale, une délégation de la mission d'observation de l'Union européenne est descendue à la CENI avec Denis Kadima. Ils ont parlé du déploiement de plusieurs observateurs de l'Union européenne dans différentes villes de la République démocratique du Congo pour les élections du 20 décembre prochain. On fait le point avec Téti Samba. Le train des élections est bel et bien en marche. Au deuxième jour de la campagne électorale, le président de la Commission ce lundi 20 novembre, la mission d'observation de l'Union européenne, conduite par Maline Bjork, est venue prendre la température des opérations en cours auprès des responsables de la centrale électorale. Les observateurs électoraux seront déployés à travers le pays pour le suivi des élections du 20 décembre. La confirmation est du chef de la délégation qui a reçu des assurances du président Kadima quant à la transparence de ce processus qui, pour la première fois, se déroule dans le délai constitutionnel. On aura une représentante de presque toutes les régions. Il y aura donc 42 observateurs et observatrices de longue durée dans ces régions et on espère qu'ils partiront dans les prochains jours. Donc ça, ce sera un très important élément de l'observation, évidemment. On aura aussi les experts électoraux et politiques et de médias qui travaillent ici sur place à Kinshasa, mais qui vont aussi voyager dans le pays, dans les régions différentes. Finalement, on aura aussi le soutien des corps diplomatiques, des ambassades européennes et d'autres personnels qui vont aussi faire partir des observations sur le jour d'élection. On compte peut-être avoir à peu près 80-100
sans observateurs et observatrices. La mission d'observation électorale se dit honorée pour la collaboration entre la CENI et cette mission, car la crédibilité de ces opérations en dépend. La police nationale congolaise, elle, se prépare également à déployer ses inspecteurs dans tout le pays pour assurer une sécurité optimale au processus électoral. 49 inspecteurs en formation ont été encouragés par l'inspecteur général de la PNC. D'autres précisions avec Yvette Makuntima. Déterminé à accomplir pleinement ses missions pendant cette période électorale, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philemon Patience Mouchidiav, a rendu visite ce lundi 20 novembre 2023 aux 49 inspecteurs de la police en formation au centre Don Bosco de la Gombe. Objectif, c'est rassurer du déroulement de cette formation qui a commencé depuis le 18 septembre 2023, après un processus de sélection des candidatures bien respectées. Ces 49 inspecteurs constituent la 1e promotion de l'inspection générale de la police nationale congolaise qui seront déployés dans les différentes provinces durant cette période électorale. C'est vraiment juste l'inspecteur général de la police nationale congolaise. Il y a une 5e promotion qui est en train de suivre la formation. Il est demandé de voir en tant que le patron de l'inspection générale de la police de venir voir de telles conditions. Ces apprenants, futurs inspecteurs de demain, sont en train de suivre leur cours. J'ai échangé avec eux et je rentre en tant que la police nationale bénéficiera de bons inspecteurs de la police. Cette formation prendra fin le samedi 25 novembre courant et ses inspecteurs prêteront serment devant les procureurs de la République dont toutes les formalités ont été déjà prises en charge par l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Philemon Patience Mouchidiav. Il faut noter que cette formation est organisée avec le concours de certains partenaires qui appuient la réforme de la police dont l'Union européenne à travers PARP 3, DCAF et la MONUSCO. Revenons sur le lancement de la campagne électorale dimanche par le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Plusieurs partis politiques membres de l'Union sacrée ont pris d'assaut le stade des martyrs. Parmi ces partis politiques, il y a le Palou d'Antoine Gizenga. Gaïta Magalanou, reportage. Des milliers de Congolais venus répondre à l'appel du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, candidat du peuple aussi, de formation politique membre de l'Union sacrée de la Nation. Si vous me faites confiance, vous serez heureux. Au nombre de six partis, un politique présent en séjour du lancement officiel de sa campagne électorale, le parti d'Antoine Gizenga, Fuji, signe sa présence. Présence aussi remarquable. Deux amis de Patrick Muyaya, structure de soutien de l'actuel ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement, qui résume sa présence en un seul mot. Et pour voter Félix-Antoine Tshisekedi, le président, le numéro 20, parce que c'est avec lui que nous allons reconstruire notre pays. Il n'y a pas grand-chose à dire, Kinshasa va donner l'exemple à toute la République démocratique du Congo. Et nous sommes là aujourd'hui pour être témoins de cette histoire. Une forte mobilisation qui démontre l'amour de toute une nation à son président, Félix Tshisekedi. Plusieurs forces de l'Union sacrée de la nation étaient au stade des martyrs de la Pentecôte le dimanche 19 novembre 2023. Nos équipes, des reporters, ont recueilli quelques réactions. En voici un extrait. À chaque période, dans chaque période, Dieu fait surgir des grands leaders. Et aujourd'hui, la RDC a retrouvé son grand leader. Le chef a parlé, vous avez vu vous-même, des stades à reflet du monde. Le vrai leader a parlé. Il a fait son bilan. Et son bilan qui est élogié. Son bilan qui est éloquent. Vous avez vu les stades à reflet du monde. Malgré la pluie, les stades à reflet du monde. Ça veut simplement dire que les Congolais a besoin de solidaires, les Congolais a besoin d'un second mandat pour les chefs de l'État. Pour tous les Congolais en cette période, je m'aimerais demander qu'il y ait la paix. Et je demande à la population de Maniema, le moment est arrivé
où nous devons travailler pour notre province. Je demande que nous puissions voter utilement Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la République décidé contre vents et marées, il a dit qu'il va observer et respecter son serment. Il avait dit qu'on va organiser, selon qu'il est écrit dans la Constitution, en décembre 2023, le prochain cycle électoral. Nous y sommes. Bravo au président de la République et nous demandons à toute la population congolaise, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, de se mobiliser pour célébrer la fête. Aujourd'hui, la démocratie est au rendez-vous et qui sera couronnée par les élections qui vont se tenir le 20 décembre. Le chef a mis la barre très haut par rapport à l'esprit kinois. Je me suis reconnu à un président de la République qui parle. Moi, on a limité, moi, on a matété. La question essentielle, c'est de savoir, est-ce que devrions-nous nous arrêter aujourd'hui ou recommencer à zéro? Le bilan est positif. Il suffit de voir, il a eu peu de temps à travailler, comme il a dit lui-même. Hein. Il a passé 2 ans sans travailler pratiquement. Mais dans les 3 ans, tout ce qu'il a fait, il a fait déjà, c'est déjà beaucoup. Donc, on doit l'aider à terminer son travail. Et moi, je suis avec lui. Le peuple congolais est en train de vivre les réalisations du président. Et il est venu demander un second mandat, une seconde chance. Et je crois que le peuple congolais a entendu. Et le président de la République sera réélu pour qu'il puisse continuer avec ses œuvres. Il nous a brossé un peu aussi son bilan. Tout le monde est d'accord que c'est un bilan très positif. Je ne peux qu'appeler les Congolais et Congolaises lui accorder un deuxième mandat parce que c'est très nécessaire pour qu'il continue ce qu'il a déjà commencé. Dans l'actualité, la RDC devient le 13e pays membre du G20, annonce faite hier lundi 20 novembre 2023 à Berlin en Allemagne. Au 4e sommet du G20 sur l'investissement dénommé Compact with Africa, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé prend part à ses assises au nom du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On fait le point avec Jeannie Kalinga et Marcel Mubenga. La République démocratique du Congo fait désormais partie du G20 comme 13e pays membre. C'est la grande annonce au 4e sommet de l'investissement du G20 dénommé Compact with Africa 2023 qui s'est tient en Berlin en Allemagne. Arrivé à Berlin tôt le matin de ce lundi 20 novembre 2023, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kengé représente le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à cette rencontre sur l'investissement organisée sous la présidence du G20 tenue par le chancelier allemand Olaf Scholz. Le Premier ministre congolais affirme que l'acceptation de son pays à cette organisation est une occasion qui lui est accordée afin d'une perspective radieuse et promotrice d'un élan de croissance en faveur de sa population. La République démocratique du Congo, mais surtout l'annonce dans son discours de l'avenir de la République démocratique du Congo comme 13e pays membre du Compact Africain. Cela vient rencontrer les efforts déjà fournis par notre pays dans les réformes, en tout cas grandement faites, pour améliorer non seulement notre cadre macroéconomique avec plus de transparence, mais surtout plus de mobilisation des recettes, ainsi que les réformes que nous avons au niveau de l'amélioration du climat des affaires, où nous voulons une fiscalité qui est compétitive et nous y travaillons chaque jour. Ensuite, tout l'effort qui est fait dans l'investissement. Et donc, c'est pour nous vraiment avec une grande joie que nous adhérons à cette communauté. La candidature de la République démocratique du Congo au Compact with Africa a été motivée par des objectifs stratégiques devant lui permettre de renforcer les efforts fournis à travers l'attraction des investissements et l'amélioration des cadres macroéconomiques, commercial et financier. Cette entrée de la République démocratique du Congo au G20 lui permettra d'être non seulement
partenaires, mais également bénéficiaires des appuis financiers attendus dans les cadres des réformes entreprises par le gouvernement. Le Premier ministre a aussi souligné que la RDC ne vient pas dans cette organisation comme simple bénéficiaire. Elle a aussi un apport considérable au sein de cette organisation en tant que l'un des pourvoyeurs stratégiques de ressources nécessaires au développement des entreprises de l'espace Compact 8 africain. De par sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo dispose d'une économie résiliente et dynamique dont la croissance a été estimée à 8,9% en 2020. Cette économie repose sur une population majoritairement dominée par la jeunesse et dispose de ressources minérales, halieutiques, forestières, hydrauliques, dont la plupart sont rares, critiques et essentielles dans la transformation des énergies renouvelables et fossiles à la préservation de la couche d'ozone, ainsi pourvue d'énormes potentialités. La République démocratique du Congo se présente sur l'échiquier international en pays pourvoyeur de solutions aux défis mondiaux. Lancement hier à Kinshasa de la deuxième session de formation des OPJ de l'ARMP sur les procédures de passation des marchés publics, sont prélude de leur déploiement sur le terrain pour constater les infractions dans ces domaines, nous dit Rikin Tuziloya. Au total, 26 officiers de police judiciaire à compétences restreintes sont admis à cette deuxième session de formation consacrée aux membres du pool des OPJ de l'Autorité de régulation des marchés publics, ARMP, pool mis en place en 2022. La mise à niveau va concerner entre autres le remplissage des registres et la rédaction des différents rapports du domaine de ce corps des OPJ dans la passation des marchés publics, a renseigné le directeur général par intérim de l'ARMP, Benoît Kalikat. C'était avant de rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de lutter contre la fraude et la corruption sous toutes ses formes et garantir les bénéfices des recettes publiques à l'ensemble de la population congolaise. Hommage réitéré au Premier ministre Samalou Kondé, autorité des tutelles de l'ARMP. Dans la même veine, je salue à sa juste valeur la clairvoyance et le dynamisme de M. le président du conseil d'administration de l'ARMP pour son souci de lutter contre toute irrégularité ou violation à la réglementation commise en matière de la commande publique conformément aux lois congolaises et règlements qui régissent ce secteur. Cette détermination traduit la volonté de l'ensemble du conseil d'administration de l'ARMP d'imposer l'éthique et la transparence dans la commande publique. Désormais, vous allez descendre sur terrain pour la constatation des infractions, mais aussi et surtout pour participer activement au recouvrement de la redevance de régulation du marché public et aux missions ponctuelles d'audit et enquête. Les formateurs ont été, eux, salués pour leur disponibilité assurée 8 jours durant cette formation. Des ouvrages scientifiques et culturels, des photos, des thèses de doctorat et tant d'autres sont exposés à l'IFASIC, une activité organisée en marge du jubilé d'or de cette prestigieuse école du journalisme à RDC. On a vu la présence de Madame le directeur général de la RTNC à cette exposition, Sylvie Elenge Nyembo, l'un des fruits de cette grande école. Suzy Ngoyi, reportage. Dans cette salle, au sein de l'Institut facultaire de sciences, de l'information et de la communication, sont exposées les œuvres des quelques anciens de l'ICIFASIC, des ouvrages scientifiques et culturels, des thèses de doctorat, des photos, des publications de la presse écrite et tant d'autres. Une exposition multimédia dans le cadre de la célébration du jubilé d'or de la première et grande école du journalisme en République démocratique du Congo. Ouvert à tout le public, le directeur général de la Radio-Télévision nationale congolaise, ancienne de l'ISTIFASIC, 15e promotion et chef de travaux s'y est rendu. Sur place, Sylvie Elenge Nyembo a passé des moments forts en émotion et plein de souvenirs.
c'est beaucoup d'émotion pour moi de voir que finalement nous sommes dans une grande école, n'est-ce pas, de formation. Et on n'en a peut-être pas saisi la portée, mais aujourd'hui, avoir toutes ces tables remplies d'ouvrages, de journaux, et qui marquent notre vie ici, c'est un grand moment. Et je pense que ce genre d'activité devrait se reproduire assez fréquemment. Ça montre aux plus jeunes que le journalisme mène à beaucoup de choses, et la preuve est là. On a non seulement des enseignants, des chercheurs, mais également des grands politiciens qui sont ici, ailleurs. Et voilà quoi, c'est beaucoup d'émotions. Lancé le 18 novembre dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïse Ndzangui, l'exposition multimédia pour les 50 ans de l'ISTIFACIC revêt non seulement un caractère scientifique et culturel, mais aussi mémorial. Toute autre chose à présent, l'université Mohamed VI Polytechnique compte renforcer sa coopération dans les secteurs miniers de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie la descente d'une délégation marocaine dans les installations du CEC. Nadine Foutouka, reportage. Une délégation marocaine au centre d'expertise, d'évaluation et des certifications de substances minérales. Précise semi-précieuse, ce lundi 20 novembre 2023. Cette mission de l'Université Mohamed VI Polytechnique du Royaume du Maroc a conféré avec le président du conseil d'administration du CEC, Dave Kalimba Kanchama, sur l'importance du partenariat scellé entre les deux parties au niveau de la thématique de la formation dans les volets de l'exploitation et de la recherche minière, des laboratoires d'analyse et de la question environnementale liées aux activités minières. C'est vraiment une vision intégrée que nous avons discutée, sur laquelle on s'est mis d'accord depuis la recherche en amont, la valorisation en aval, la partie gouvernance autour, mais également les bonnes pratiques, qu'elles soient sociales, environnementales, pour permettre au secteur minier de jouer pleinement son rôle. Mais auparavant, la mission de l'Université Mohamed VI Polytechnique était l'hôte du directeur général du CEC, Freddy Mwamba-Kanuku, en compagnie de l'ensemble des directeurs du CEC. Le développement du partenariat dans les domaines de l'exploitation et du traitement minier, ainsi que de la gouvernance de l'exploitation minière, était au centre de cet instant des discussions et des partages d'expériences. Nous sommes très heureux d'être ici, dans ce pays très important pour le secteur minier africain, pour le secteur minier mondial. Et vraiment, nous sommes très motivés pour le développement de ce type de partenariat. Nous sommes très heureux de la rapidité avec laquelle également les sujets ont été traités. Il reste à visiter le laboratoire d'analyse chimique du CEC pour accomplir totalement sa mission au sein de cet établissement public. Je vous amène dans les territoires des Luilou, à Lomami. Le PDL 145 territoire donne un nouveau visage dans cette province. Des écoles neuves sortent des terres pour réduire les inégalités sociales. En image, la cérémonie de remise officielle des nouvelles infrastructures. C'est un commentaire signé Jacques Michi. Dans la province de Lomami, des écoles neuves sortent des terres. C'est la matérialisation du programme de développement local de 145 territoires voulus par le chef de l'État. Comparé aux conditions d'éducation scolaire d'avant, pour la population, c'est les jours et la nuit. L'école primaire Mbala, dans les territoires des Luilou, province de Lomami, est un chef-d'œuvre admirable réalisé dans les normes par l'ONG Mains des Dieux que coordonne la religieuse Marguerite Calonde, qui a eu à gagner ses marchés publics pour la construction de certaines écoles à Lomami. Tout y est, le courant, l'eau potable, de salles de classe équipées, de bureaux également et de latrines propres. Ayant surmonté plusieurs défis, c'est avec plaisir que la coordinatrice nationale de l'ONG Mains des Dieux a remis encore le clé de l'école Mbala au PCO. Un peu symbolique pour la fin des travaux. Je prends la clé. BCECO, à travers ma personne, félicite la main des dieux
pour le travail abattu. Les élèves, les parents, les enseignants, le chef de groupement, tous en liesse, n'ont cessé de remercier le chef de l'État pour sa vision qui met fin au complexe inutile, car désormais, même condition d'enseignement primaire partout en République démocratique du Congo. Dans l'actualité, l'OCC rejette les accusations formulées contre lui par les autorités provinciales du Congo de ne pas contrôler les entrées des marchandises en provenance de l'Angola à la frontière. Une séance de travail a mis autour d'une table le conseiller principal du chef de l'État au Collège économie et une délégation de l'OCC pour une mise au point. C'est un reportage signé Guilain Kabalundi. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la province du Kwango au niveau de la frontière entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola en ce qui concerne les échanges commerciaux? Cette question était ce lundi 20 novembre 2023 au menu des entretiens entre le conseil principal du chef de l'État au Collège économie, finances et commerce extérieur, Léon Kankolongo Moulaja, et une délégation de l'Office congolais de contrôle OCC conduite par son directeur général. Mise en cause par les autorités provinciales du Kwango, l'accusant de ne pas contrôler les entrées des marchandises à la frontière avec l'Angola, l'OCC qui rejette ces allégations apporte ses éléments de réponse. Tous les éléments de réponse ont été donnés, qu'il y a les points frontaliers officiels par lesquels les offices, les services de l'Office congolais de contrôle sont là. Nous avons les meilleures informations pour toutes les marchandises qui entrent ou qui sort de la République démocratique du Congo. Mais d'une manière générale, il fallait que je vous dise que au niveau de ces frontières, il n'y a pas des importations comme telles. Ce sont juste des échanges commerciaux entre les provinces voisines de la République sérieuse d'Angola et la République démocratique du Congo. En ce qui concerne l'installation d'une direction provinciale de l'OCC dans le Congo, comme l'exigent les autorités provinciales, le directeur général de cet office ne s'y oppose pas et invite par ailleurs la population de cette partie du pays a renouvelé son suffrage au garant de la nation pour la matérialisation de ce projet. Tous les efforts ont été fournis pour que la population soit bien protégée. Ce que nous pouvons demander aux populations, que ce soit des Kwango, Kwilo, ainsi de suite, le chef de l'État est prêt, dès qu'il a son deuxième mandat, les conditions seront allégées pour que la population soit sérieusement alors protégée. Il faut dire que les échanges commerciaux entre la province du Kwango via le territoire de Kaemba et la province de Lunda Norte en Angola portent notamment sur les produits agricoles. Au secrétariat général au numérique, les agents nouvellement recrutés sur concours ont débuté leur travail ce lundi 20 novembre 2023 au terme d'une causerie morale animée en leur intention par le tout premier secrétaire général de cette nouvelle administration, Berthe Mantobonudi, Willy Atunakov. Les cadres et agents du secrétariat général au numérique, nouvellement recrutés et affectés, ont été outillés sur leurs droits et devoirs, les missions principales assignées à cette administration et sur les codes de conduite de l'agent public de l'État. C'était au cours d'une rencontre de prise de contact organisée ce lundi 20 novembre 2023 à son siège situé sur l'avenue Loubefou dans la commune de la Gombe par le secrétaire général au numérique, Bertin Mantobo Benatoudia, qui a annoncé le début du travail à ces nouveaux agents de la fonction publique, a d'abord rappelé que c'est grâce à l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que cette entité administrative est aujourd'hui effective. D'où la question de savoir s'il faut reprendre le travail à zéro ou continuer normalement comme le veut le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Il a ensuite salué le travail abattu par le gouvernement de Warios en général, plus particulièrement les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et le ministre du numérique, Désiré Casimir Kolongele Eberand. Enfin, le tout premier secrétaire général au numérique, Bertin Mantobo Menetoudia, un bon enseignant des universités, leur a prodigué des sages conseils pour faire du numérique un vrai levier d'intégration, de bonne gouvernance,
de croissance économique et de progrès social conformément à la vision politique du chef de l'État, initiateur de cette œuvre salvatrice. Signalons que ces vertébrés de l'administration, fort de son expérience des 30 ans au PTNTIC, a par ailleurs invité ces nouvelles unités à la conscience professionnelle pour un rendement meilleur. Lancement des opérations de recouvrement forcé des créances auprès des abonnés de la régie des eaux Kinshasa-Est. Objectif, maximiser les recettes dans cette entreprise du portefeuille. Explication, Serge Mata. Il ressort de la synthèse des résultats que la direction régionale, la régie des eaux Kinshasa-Est, est sur une bonne voie. La preuve, avec une variation positive, 5 agences de cette nouvelle entité ont atteint 100% ou plus de la cible des recettes. 12 autres agences ont réalisé 100% ou plus de la cible des récupérations PV. Et enfin, 13 autres agences ont réalisé 100% ou plus de la cible d'abonnés qui payent en ligne. Vous ne citez que celle-là. Côté excellent, suivant des critères objectifs et réalistes, les responsables de ces agences ont reçu quelques prix d'encouragement constitués à cet effet d'une enveloppe consistante et des kits informatiques à titre de soutien. Ceci dans le but de les stimuler pour être plus performants. Il s'agit des Maluku, Makala, Matete, Yolo et Kisensu. Et je compte, même c'est moi, faire encore davantage. Nous avons la joie d'être parmi les mérités. Très fier, Dr. Paul Batajika Sombamania, directeur régional de la régie des eaux Kinshasa-Est, a jugé satisfaisant le bilan de ses 100 jours à la tête de cette entité. Il y a des agences qui n'arrivaient pas à atteindre le point élevé des recettes. Mais aujourd'hui, ces agences atteignent ces points élevés de l'État. J'avais un défi, un challenge. Être meilleur de la ville. Et pour le mois d'octobre, nous avons été meilleurs. Par ailleurs, l'édité régional de la régie des eaux Kinshasa-Est a annoncé aux abonnés le début de la campagne de recouvrement forcé des créances. Ceci dans le but de garantir la bonne exploitation d'eau potable. Dans un autre registre, la 4e édition de la remise du trophée Marthe Kassalou, femme d'honneur, a été lancée hier lundi par le comité d'organisation. C'était au musée national de Kinshasa. On fait le point avec Paulette Lomba. À 4 mois de la tenue de la cérémonie de remise du trophée Marthe Kassalou, femme d'honneur, les comités d'organisation à travers son président du conseil d'administration, José Godet Kaimbe, procédé ce lundi 20 novembre 2023 au lancement officiel des activités de cette 4e édition au nom de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Par ailleurs, le comité entend organiser 27 au 28 novembre 2023 un atelier scientifique sur la vie de notre marraine idéologique, Mamouilou Marie, en vue de permettre aux différents invités et ce fait inébranlable sur les valeurs incarnées au Mamouilou. La particularité de cette édition, c'est la présence de l'église kimbanguiste dans ses comités, fruit du partenariat conclu entre cette communauté religieuse et le trophée Marthe Kassalou, dont la marraine idéologique n'est autre que Maman Marie Mouilou, épouse du feu prophète Simo Kimbangu. Cette reconnaissance que le temps congolais est en train de renouer avec l'église kimbanguiste, le partenariat entre l'église kimbanguiste et l'État congolais, et aujourd'hui, c'est entre l'église kimbanguiste et le prophète M. Kassalou, le fait d'honneur. C'est un droit qui est en train d'avancer vers la cachette revers de Franck Fabre. La soirée des remises de cette 4e édition du trophée se tiendra le 30 mars 2024 et comptera 6 nominés, dont 3 congolaises et 3 étrangères. Sachez également que la République d'Ouganda a une nouvelle chancellerie en République démocratique du Congo. Nana Nawesh nous fait revivre en image la cérémonie d'inauguration. Regardez. Enterrant la hache des guerres en privilégiant l'unité et la fraternité entre les peuples, c'est dans ce climat de convivialité et de paix que l'ambassadeur Farid Kalissa de l'Ouganda, République démocratique du Congo, a officiellement inauguré
la nouvelle chancellerie de la République d'Ouganda en RDC. Ces bâtiments, symboles de l'amitié solide entre le peuple, est un espace qui va non seulement tisser les liens profonds, durables, mais aussi renforcer les relations diplomatiques, bilatérales, pour poser de nouvelles bases, a-t-il souligné. Pour sa part, le directeur des cabinets du ministre du Commerce extérieur, Jean Zosa Olipesu, qui a représenté le gouvernement de la RDC, ne pense pas moins sur la nécessité de renforcer davantage un sentiment d'amitié, de fraternité, surtout de compréhension au mieux des intérêts des populations congolaises et ougandaises. Et sur le plan culturel, sur le plan de toutes les relations, nous collaborons déjà très bien. Et nous avons estimé que cette nouvelle chancellerie va permettre aux deux pays de bâtir sur de nouvelles bases et permettre qu'il y ait des échanges, comme le président l'a dit, en se regardant dans les yeux, et permettre que les deux pays puissent en profiter. L'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'Ouganda a coïncidé avec la journée de la célébration de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Et pour terminer, le 1er décembre, cette journée est dédiée à la bienheureuse Marie-Clémentine Andoualité Nengapeta. Le gouverneur de province, Christophe Basséané, prépare déjà le terrain pour le pèlerinage. C'est un reportage de Damas Essolé. Quelques jours seulement nous séparent du grand rendez-vous de pèlerinage commémoratif martyr de bienheureuse Marie-Clémentine Andoualité Nengapeta. Le 1er décembre de chaque année, l'événement se déroule habituellement dans ce site, destiné à la construction du sanctuaire en prévision de sa canonisation. Soucieux de le rendre accessible et agréable, le gouverneur Christophe Bassiananga diligente des travaux d'ouverture de nouvelles affaires de part et d'autre, les travaux d'entretien et surtout ceux de construction des temples et chapiteaux assez larges sur fonds propres du gouvernement provincial. C'est le but de sa descente d'inspection à cœur joie de ses travaux sur ces sites historiques le dimanche 19 novembre 2023. Occasion pour le pragmatique gouverneur Christophe Bassiananga de donner des directives et orientations afin d'offrir à ses hôtes un séjour confortable pour l'honneur de la ville d'Issigo en particulier et de la République démocratique du Congo en général, la bienheureuse Marie-Clémentine Andoualité Nengapeta étant devenue un patrimoine pour les chrétiens du monde entier. Ce journal est terminé. Nous disons un grand merci aux différentes équipes de la régie. Merci également à tous les héros dans l'ombre. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie.